Hello, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pendant que je vais être en train de me maquiller. Donc hier j'ai pas clôturé le vlog, je suis allée me coucher, il était vachement tard parce que finalement la journée totalement imprévue hier, j'ai même pas eu trop le temps de vous parler face cam. Je devais pas aller chez mes parents, mais je suis allée chez mes parents pour filmer la dernière partie de vidéo que je devais faire avec Lady. Il me reste plus qu'une micro partie à faire, mais ça faut que je le fasse dans la maison. Après, il a fallu que j'attende ma petite soeur pour la ramener chez son copain. Et ensuite, finalement, ils nous ont invités à manger barbecue chez eux. Et donc, pareil, totalement imprévu. Je devais travailler sur des montages vidéo, mais je m'en fous, j'ai de l'avance. Et donc, finalement, on a passé la soirée là-bas. C'est amusant de faire quelques coiffures. Donc là, ça ressemble un petit peu bizarrement rêvé, mais bon, c'est pas grave. Et puis, voilà. Je sens qu'est-ce que je voulais dire de plus. Donc là en ce moment il fait super beau, super chaud, j'arrête pas de sortir les shorts. Avec mes petites jambes bronzent un peu, ce serait pas mal. J'ai l'air un petit peu cadavérique. Donc finalement ouais, j'espère que les images d'hier vous ont plu, même si je n'ai pas trop causé. Et que les images sur téléphone portable hier chez... Ma soeur et mon beau-frère n'étaient pas trop dégueulasses. Et en tout cas, aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour. Je vais aller chez ma belle-sœur, me refaire ma couleur et mon tie-and-dye que je rêve de faire depuis un moment. Donc ça, je sais pas dans quelle vidéo vous allez le voir la première fois quand il sera fait, si ce sera avec ce vlog ou dans d'autres vidéos que j'ai à tourner, parce que je me suis quand même pas mal avancée. En tout cas, toutes mes vidéos de la semaine prochaine sont faites. Il faut que je fasse celle de la semaine d'après, il faut que je travaille sur un DIY, mais je ne sais pas encore lequel. Donc là en tout cas c'est sûr, c'est que je vais aller faire ma couleur, j'attends ça depuis un moment, puis de me faire bichonner pour une fois par quelqu'un dont c'est le métier de s'occuper des cheveux, donc une coiffeuse, même si c'est une toute jeune coiffeuse qui a eu son diplôme il y a peu de temps. Et c'est pas grave. Moi je serais sûre que... Ma coloration sera faite. Par contre, une chose c'est sûre, c'est que je fais toujours pas confiance pour le choix des produits, donc c'est moi qui choisis mes propres couleurs. Je veux pas encore avoir de mauvaises surprises. J'ai tellement étudié le rouge pendant un moment que je veux pas me faire avoir. Donc là, les loulous, c'est pendant que je déjeunais ce matin, ils ont passé la matinée dehors à profiter du soleil. Xir fait un petit tour chez mes parents, mais je la regarde une semaine de plus, je la rapporte la semaine prochaine normalement. La chippie. Et puis finalement, mes écarteurs, je pensais que j'avais fini de les faire, mais en fait pas du tout. Je me suis rendu compte que la taille que j'ai en spirale, la plus grande taille, et c'était une taille 8. Donc faut que je repasse sur les tiges en taille 10. Je voulais éviter parce que c'est pas pratique du tout pour dormir. Mais bon, faut bien que je passe au dernier stade. Alors, je désinfecte tout ça. Et puis voilà, je me suis commandé quelques bijoux, j'en ai trouvé pas mal franchement sur eBay, mais ça je vous ferai peut-être un... Une vidéo pour vous en parler des bijoux que j'ai acheté, mais ça va être une vidéo peut-être un mélange sur ma page kawaii et compagnie. En tout cas ça fait vraiment bizarre d'avoir des trous dans les oreilles. Je sais pas si ça se voit bien ou cam. Je vois pas trop, parce que j'ai pas de retour d'écran et c'est pas forcément facile de voir. Et donc voilà pour le programme. Je sais pas ce que j'ai à dire de plus. Ok, bon, pour faire une idée, maintenant j'ai un coton-tige qui rentre tout ça dans l'autre de l'oreille. Donc j'évite de trop digonner pour pas créer d'infection quand même, mais je désinfecte toujours entre deux bijoux. Ça ne fait pas de mal. Et l'heure. Donc voilà, la dernière taille à passer. Qui pensait en avoir fini, mais en fait non, c'est vrai que ça me paraissait un peu petit quand même. J'imaginais plus gros. Donc là je force juste à peine pour rentrer, mais dès que ça se met à ficoter, hop j'arrête, même si ça dépasse beaucoup c'est pas grave. Voilà, par contre ce qui est chiant c'est que leurs élastiques après ils sont trop petits pour mettre derrière, je vais prendre les autres. C'est un petit peu ridicule d'avoir un gros truc comme ça qui dépasse, mais bon. J'espère que ça gênera pas tout à l'heure, sinon je l'enlèverai pendant qu'elle me fera ma coloration. Si ça la gêne vraiment.
Ça va passer en boucher en 2 secondes de toute façon. Un peu de l'autre côté. En tout cas, je préfère carrément plus mes oreilles comme ça qu'avec des boucles d'oreilles classiques parce que je supportais pas les boucles d'oreilles classiques, je m'infectais et tout. Donc là, au moins, j'ai plus ce problème là. Mes oreilles n'ont jamais été aussi nickel depuis que je fais des écarteurs. Voilà, donc bah là pareil, ça n'a pas beaucoup enfoncé. C'est vraiment le plus gros stade, j'ai pas encore fait aussi gros. Donc voilà, donc bah là tout de suite je vais passer, je vais allumer mon PC, je vais tout ranger parce que je l'ai emmené hier chez mes parents, donc là faut que je le remette en place. Et je vais commencer à monter un autre vlog pour le planifier pour je ne sais pas quand. Et il faut aussi que j'écrive tout mon planning sur ce calendrier là pour me figurer vite fait quand je dois me rappeler de ce que je dois dire dans les vidéos au moment où je vous dis à la prochaine vidéo pour telle vidéo. Des fois je m'en rappelle plus, j'ai pas tout le mémoire, donc on va le remettre sur ce calendrier là avec les loulous. Ok, à tout de suite. Donc voilà, petit update, on se retrouve en fin de journée, 19h, j'ai pas tardé à les manger, donc je fais ça vite fait en speed. Donc ça y est, j'ai refait ma couleur, donc le rouge est moins intense que ce que je voulais, je sais pas encore ce qui s'est passé avec mon choix de couleur, pourtant j'ai cru que j'ai appris la même chose que la dernière fois, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe, c'est légèrement plus foncé. Et donc ma belle-sœur m'a fait des pointes noires, donc voilà le résultat. Donc voilà, j'espère que c'est cool. Donc bon, ça va être sûrement le vlog le plus court que j'ai fait depuis un moment. C'est le vlog le plus court des vacances. Mais voilà, ça je m'en doutais un petit peu. J'ai pas pu filmer sur place, j'avais pas le temps. Puis je voulais pas embêter ma belle-sœur avec tout ça. Déjà que c'était super bon de faire tout. Toute la coupe, la coloration, enfin bref, tout le bazar. Donc on va travailler sur mon rouge un petit peu plus longtemps dans les prochains jours. Et puis bah, voilà, en attendant, vous me verrez bientôt dans les prochaines vidéos avec cette nouvelle couleur et cette nouvelle coupe. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'aurai peut-être des petites images de la fin, je ne sais pas encore. Donc voilà, bisous et puis merci encore d'avoir suivi tous mes holiday vlogs. Bye. Bon bah finalement, ça aurait été finalement le vlog le plus court qui a été fait. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Donc juste une dernière chose avant de quitter, je voulais juste vous montrer cette bouteille de Arizona. Donc c'est le Arizona Strawberry Limonade. De toute façon, je reparlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Ou avant que vous l'ayez déjà vu, je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être planifié. J'ai envie de tester l'Arizona, mais je suis pas très fan de thé et pastel. On avait parlé dans une de ses vidéos de favoris, je crois, et franchement, je l'ai testé. Et elle est vraiment top pour ceux qui sont plus pas trop fans du thé ou quoi que ce soit et qui ont du mal avec l'Arizona. Franchement, testez-le, on le trouve chez Carrefour. J'ai eu du mal à le trouver, maintenant on peut le trouver chez Carrefour. Donc voilà, testez et approuvez. Bisous.